C'est pour qui les fleurs? C'est pour Jason Caron. Jason Caron. Un gars qui reçoit des fleurs. C'est bizarre, ça. Ça augure rien de bon. Ah! Caron! Qui reçoit des fleurs, puis on sait pas pourquoi, puis ah ouais! C'est pour le chien! C'est ma blanche, j'en ai envoyé un matin. Oh, c'est... Ah, oh, c'est pour la Saint-Valentin! Excusez-moi, moi j'allume pas vite. Hein. C'est la réplique... Identique? C'est la réplique cinglante. Peux-tu nous décrire ça, là? Pas le message, là, mais les... C'est quoi qu'on a, là? Ah, je sais pas, là. Les tulipes. Des marguerites roses. Des roses oranges. Hé, que je suis pas à jour, moi je connais rien dedans. Ouais, c'est ça, j'ai envoyé ça à ma blonde un matin, fait que... Félicitations, t'es un gars avenant et prévenant pour ta blonde, c'est bien. Tu mérites d'être en couple, Jason. Bon, l'ascenseur revient ça, là? Ah oui, regarde, quand tu dis que t'en as envoyé des fleurs puis le pot revient pas, c'est des solides fleurs. Les seules fleurs que je connais, moi, sont vertes et c'est taillable au ciseau. As-tu de quoi de prévu pour la Saint-Valentin, Tourneau? Oh, une main droite, mon Jason. Hey, Hugues! Hey. Quoi? J'ai vu ta blonde sur YouTube. La quoi? La Roue, là, Bulletproof. Ah, ma maîtresse! As-tu vu ça à la même tête que toi? À la même, ouais, mais c'est une Anglaise d'Angleterre, donc aucune chance. Salut!